Préparez-vous, vos repas sur le barbecue vous coûteront plus cher cet été. On en achète moins ou on trouve des spéciaux. Le coût du bœuf va faire un bond de 25 à 40 dans les prochains mois. Si vous aimez le bœuf, là, vous aimez, il y a une coupe particulière, là, j'irai en acheter immédiatement. Là. On va revivre un peu ce qu'on a vécu en 2014, il y a 10 ans. Les prix avaient explosé de 25 à 30 en un mois. Donc, on risque de voir la même chose, mais ça risque de durer un petit peu plus longtemps pour l'ensemble de la saison des barbecues, malheureusement. Les changements climatiques sont en cause. Avec les sécheresses dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien, un peu au Québec aussi, bien, c'est certain que ça l'affecte directement à la production. Alors, baisse de production, ça fait en sorte que la demande qui se maintient, il y a une hausse de prix. Malheureusement, cette hausse importante pourrait avoir raison de quelques boucheries. C'est le cas de la boucherie Comtoise, où je me trouve en ce moment, qui devra mettre la clé sous la porte parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. J'ai mis la boucherie en vente il y a 3 semaines. Fait qu'espérons que ça se vend avant ça, donc c'est sûr. C'est tout. Sinon, ben, je bats à la porte puis je m'en vais, donc il n'y a pas d'autre choix. Ça fait déjà plusieurs années que le propriétaire tente de garder la tête au-dessus de l'eau. J'ai pas d'employé, ça fait 3 ans que je suis tout seul, justement en cause de la hausse de prix. Ça n'a pas commencé juste là récemment, ça fait des années que ça monte. Si je compare du jour de l'ouverture jusqu'à maintenant, ça a presque doublé au prix. Je peux pas doubler mes prix ici non plus, donc je le fais juste assez pour survivre, juste assez pour genre rentrer ici puis payer le loyer, quoi. Les producteurs de bœuf n'ont aussi aucun contrôle sur la situation. Ils sont coincés avec la hausse des prix des intrants, de tout ce qu'ils achètent pour produire. Puis c'est là où est-ce que malgré la hausse du prix, ça ne veut pas dire que les producteurs font plus d'argent comme tel. Mais le bœuf coûte tout de même plus cher, alors les consommateurs changent leurs habitudes. Il faut que les consommateurs soutiennent les producteurs. Dès le mois d'avril, la hausse se fera sentir dans les paniers d'épicerie. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.